Mais c'est du grand délire! J'ai assez de soucis comme ça. Je n'ai pas la moindre envie d'en rajouter à cause de vous. Mais maman! Ton frère et toi, vous êtes punis. Vous ne sortez pas d'ici. Et je ne veux rien voir, rien entendre. Je veux pouvoir oublier jusqu'à votre existence. Bon sang, non mais je rêve! Il y a un miroir juste en face de toi, Riz! Je ne plaisante pas! Ah, j'ai dit arrêtez de vous battre tout de suite! Il arme son bras! Débrouille-toi pour sortir ton père de son lit. Je sais pas s'il a, mais il a pas fermé l'œil depuis avant-hier. Alors s'il le faut, tu cries au feu. Si ça donne rien, tu fous le feu. La cuillère, qui c'est qui l'a inventée? Au paléolithique? Bah c'est Monsieur Cuillère. Tu peux me dire ce que tu fais là? Ça se voit, non? Je vide le coffre. Tu as vu que tu es garé en plein sur le passage piéton? Et alors? Tiens, aide-moi plutôt. On n'a pas le droit de se garer sur les passages piétons, c'est interdit. Aide-moi, au lieu de faire ton malin. Ne me tourne pas le dos, s'il te plaît. Excuse-moi? Tu peux pas laisser ta voiture ici. Je garde ma voiture où je veux et je la laisse aussi longtemps que je veux. On sait jamais ce qui peut arriver, tu as tort. Occupe-toi d'abord des courses, Riz. Appel urgent! Demande renfort immédiat! Je répète, appel urgent! C'est super chouette! Merci, c'est l'USS Constitution. Elle date de 1830. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça! Et là, tu peux y croire? Espèce de grenade, je te déteste! Je voudrais que tu sois même pas mon frère! Il m'a tellement gonflé et que je lui ai donné des colorants en lui disant de faire attention. Hé, les gars, j'ai fait une super découverte! Quand on mélange du bleu avec du jaune, on obtient une nouvelle couleur! Et je vais l'appeler Blue Lone. Le renvoi temporaire. Et bon appétit, Jamie. Qu'est-ce que tu fais? Maman fouille même les poubelles. Juste pour tenir ça. Merci Malcolm, c'est bien que ce soit toi. Quand c'est Riz, je sais pas comment il se débrouille, il se blesse à chaque fois. Et toi, ta journée, c'était comment? Où sont passées les fourchettes? Oh, elles avaient toutes les dents tordues, alors je les ai données à un type qui va les redresser. Dresseur de dents de fourchette? C'est comme ça qu'il gagne sa vie, mais il n'y a pas de son métier. Ah, les commandos fils vont manger leurs œufs brouillés sans fourchette. Si jamais tu oses faire ça! L'arôme profond, le goût délicat et subtil de la trahison. Ah oui! Bienvenue au royaume de l'amertume, chérie! L'odeur des grains torréfiés. Ça y est, je suis dans un café italien. Ben moi, je suis avec deux super canons sur un hors-bord et on fume un super tabac blond comme les blés. Al! D'où il boit du café? Excusez-moi, désolé, mais c'est mon tour. Non, c'est faux, on était là avant. J'en ai pour une minute, je n'ai que deux choses, ce ne sera pas très long. Écoutez, ça fait une demi-heure qu'on fait la queue. Notre mère nous attend, je suis désolée, madame, mais c'est à nous. Arrière, sale morveux! C'est peut-être tes premières soldes, mais pas pour moi. Ça va pas, non? C'est notre tour! On dirait que tu ne sais pas ce que c'est que le respect des personnes âgées. Vous voulez danser, grand-mère? Vous vous croyez tout permis, vous faites tout ce que vous voulez. Vous pensez que personne ne dira rien parce que vous êtes une relique. Y'a plus de contrat. Ouf, Riz vient de se réveiller. Bon, qu'est-ce que tu préfères, enlever tes dents ou les perdre? Prends-moi le déodorant, j'ai fait que le bas, j'ai pas fini le haut. Non, il faut qu'il nous fasse un mois et tu le gaspilles. Je gaspille rien du tout. Tu t'en sers pour faire des dessins porno sur le miroir de la salle de bain. Non, enfin, vous pouvez pas faire moins de bruit. Regarde, elle est là, écrase-la. Cette petite araignée a le droit de vivre autant que toi, Doué. Et tu sais, ça porte malheur de tuer une araignée dans une maison. Bon, allez, on y va. Salut, petite araignée. Allez, viens me voir. Oh non. Oh ah 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 ah
Excusez-moi. Je veux bien croire que vous ne pensiez pas être pris sur le fait, mais vous avez cogné ma portière arrière. La moindre des choses serait de vous excuser. Et vous de parler sur un autre ton. Ça va pas diminuer sa cote à l'Argus. Je suis désolée. Vous voyez, comme ça. Fasse la vaisselle. Et voilà. Purée de foie aux lentilles. C'est tout ce qui reste. Oh, tu en as fait, chérie. Non. Jamie, désolé que ce ne soit pas à ton goût, mais je me suis donné du mal. Alors personne ne quitte la table avant d'avoir vidé son assiette. C'est toi qui as invité ton ami à venir chez nous. Une fois qu'il est là, c'est trop tard, il faut que tu lui parles. Alors tu lèves tes fesses de là et puis tu l'accueilles. J'y vais. Salut Ryan. Tu veux une bière ?